Héros les amis, ça mieux que de la lumière quand même. Hein. Bon, bonsoir à tous. Ça va les gars? Ça va les gars? On est là pour Star Wars pendant 2 heures. J'ai oublié la petite larme, ouais, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, je faisais semblant tout à l'heure. Non, mais ça me touche beaucoup hein, ce genre de commentaires. Merci. Hein. Merci, je suis ravi de voir que ce que je fais depuis quelques années vous plaît. C'est d'ailleurs pour ça que je continue et que je le fais. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Merci beaucoup. Bon alors, Star Wars, The Old Republic. Allez, on enchaîne. PVP direct. Direct. Alors, je suis en érudice et télékinésie. J'ai changé. Voilà. Pour pas vous donner l'envie de vomir. Vomir les dots. Alors là, j'ai une spé burst. Spé télékinésie, c'est une spé burst. Un petit peu particulière parce qu'elle est très très dépendante en fait du premier skill que vous avez lancé qui s'appellera la turbulence. Donc côté République, je sais plus comment ça s'appelle côté Empire. Donc vous allez devoir lancer cette turbulence qui fera des coups critiques. Ça va vous permettre après de pouvoir lancer de manière instantanée la vague télékinésique et d'enchaîner votre burst. Vous allez avoir une bourrasque télékinésique qui sera intéressante parce qu'elle va vous permettre de caster plus rapidement votre écrasement mental derrière. Et vous allez faire proc aussi votre rafale télékinésique en mettant un sprint sous d'autres conditions aussi. Alors c'est une spé qui est vraiment cool. Qui fait des très gros dégâts en zone. Par contre, elle a un problème par rapport à l'aspect... comment elle s'appelle? L'aspect équilibre. C'est qu'elle a un petit peu moins de sustain. Elle se soigne un petit peu moins. Pourquoi? Parce que vous avez déjà pas le passif qui vous soigne sur les dots. Et que... Vous avez un problème avec cette spé aussi. C'est que... Donc là, je suis pas niveau 65. Donc forcément, j'étais obligé de faire un choix dans mes passifs. Et donc, dans les passifs que vous avez tout en bas, je vais vous montrer... Il y a un talent qu'on prend avec l'aspect équilibre qui est un talent qui vous permet de vous régénérer sur votre bulle de force. Où est-elle? Là, non, là. Voilà, qui vous permet de vous régénérer sur votre bulle de force et sur votre armure de force là. Et là, vous ne l'avez pas parce que vous êtes un peu obligé de prendre la mobilité de force qui vous permet de pouvoir lancer en bougeant votre turbulence. Si vous ne l'avez pas avec cette spé, autant dire que vous n'allez pas pouvoir vraiment DPS. Donc voilà. Alors après, elle a un gros point faible aussi cette spé, je trouve. C'est qu'il suffit que t'as un mec un peu malin qui ait des CD en face, des temps de rechargement disponibles en face et qui vous coupe votre turbulence. Il va vous couper tout votre cycle DPS et c'est un petit peu le problème. C'est pour ça que je trouve en fait que la spé équilibre, elle est beaucoup 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 plus polyvalente. Elle s'adapte mieux aux situations, même si, comme je vous expliquais hier, les dots sont un petit peu compliqués à mettre sur les assassins, tout ça. Je trouve quand même que l'aspect dot est un peu plus polyvalente. Mais après, c'est mon ressenti personnel aussi. J'avoue que j'ai pas beaucoup joué cette spé éclair ou télékinésie, donc il y a de ça aussi quoi. C'est pas ma préférée. Salut Volva! Putain, étoile du néant, c'est vrai, je viens de noter là. C'est pas mon préféré, mais bon, ça, c'est pas le pire. Matt la grenouille, bonsoir, bonsoir à tous les amis. Donc le programme de la soirée, donc PVP, PVP, et pas trop PVP, mais quand même. Star Wars pendant 2 heures, ensuite Smite pendant 2 heures. Et ensuite, un vote entre Fallout 4 et Albion Online. En fonction de ce que vous voulez voir, les amis. Oh bah lui, il s'est fait imploser la tête, quoi. Tatan! Ah, je l'ai pas mis l'écrasement mental. Par contre, c'est pas très intelligent. Oh, il me fait couper. Super, je le refais couper. Allez. Et ouais, ça picote hein, quand même. Ah oui, ça picote. Oh oui, ça picote. Bali bali bala.
Oh, ce qu'il vient de prendre dans le fion celui-là. Oh, ça fait mal. Ah, c'est tagué. Ah, oh, ça pique. Ah, ça pique. C'est vrai qu'elle est jouissive quand même, cette XP. On peut rien dire. On peut rien dire. Quand on te laisse DPS tranquille dans ton coin derrière, c'est du bonheur. Voilà. C'est du gros bonheur. Du grand bonheur. Alors pensez à toujours mettre votre écrasement mental sur la cible. Pas votre écrasement mental, pardon. Votre affaiblissement d'esprit sur la cible. Pourquoi? Parce que ça vous déclenche un petit passif qui vous permet de ralentir la cible ennemie. Et en plus, ça vous permet d'être certain de pouvoir mettre du critique. Et donc ça, ça n'a pas de prix. Voilà. Voilà. Quand vous voulez dépop du gars, pensez-y, c'est très important. Ah! En plus, le petit ralentissement, c'est bien relou pour les cacs là. Ah, le mec, il s'est fait troller par le tireur. C'est le genre de truc, t'aimerais pas être à sa place, quoi. Psychologiquement, c'est dur, ça. C'est vraiment l'aspect bourrine par ici. En plus là je suis vraiment ultra free. Je peux dépêcher un peu comme je l'entends là. Donc là j'aime autant vous dire que les gars prennent leur dose, quoi. Oh la vache! Alors on va faire celui-là là. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir, mon gars! Ouais, ils sont deux. Allez, on trace. Par contre, dès qu'ils vont commencer à comprendre et que je vais plus être free, eh ben, ce sera plus la même. En plus, elle a une portée qui est monstrueuse, cette spé. C'est aussi ça qui la renforce. Ah, j'ai plus mon... Ah, dommage. Ah, toi tu joues, c'est là. Ah, c'est fini de jouer, je pense. Putain. Ah, quoique, il est bien quand même, hein. Il fait bien chier ça, il fait bien chier son monde. Lui, il nous a bien troll, hein, parce que bon, en plus, on était un peu con de rester sur ce truc là. Bili bili bili. Oh. Ah, j'aurais pas dû lui faire ça. Bon, ça passe quand même, c'est pas grave. Ah, celui de tout à l'heure qui nous a un petit peu trollé là. Faire attention.
Hey, tag, mon gars. Tag. Y'a pas un gars derrière, là? Oh. Il s'est fait tuer. Je n'ai point vu. Ah, bien joué. Bien joué, il a coupé ma, ma ligne de mire là. Putain, on aurait pu taguer, je pense, hein, cette porte, c'est dommage. Ah, ça manque un peu de corps à corps, ouais, effectivement. Bon, c'était une première manche tout en violence. Merde! C'était une première manche tout en violence, quand même. C'est du bon. C'est du lourd. C'est l'érudite et les kinésies, les amis. Ah, je sens que je vais péter aussi frite tout à l'heure là. Et ça va là? Et vous avez vu le contrôle là? C'est un truc de ouf! Oh là là! La dose! J'ai l'impression qu'ils ont récupéré de l'huile. J'ai l'impression que ça me donne. Ah, dommage. Sort bien là. En fait, ils ont pas de healer aussi, hein, donc je pense que ça les met pas bien ça. Oh, merci pour le follow! Et bienvenue surtout! Là, par contre, là, vous voyez qu'il y a un moment donné, vous pouvez avoir des coupures dans votre cycle avec cette spé. C'est aussi un des inconvénients que je lui trouve par rapport à l'aspect, l'aspect équilibre qui est très constante. Ah, il a essayé. Lui, il a essayé. Hop là, on lui coupe le même sort. Qu'est-ce qu'il essaie de mettre? Du coup, il est obligé de casser son éclair successif. Et ça fait chier pour lui. Voilà. Ah, mais il s'est barré l'autre. Oh, c'est une blague. Par contre, je suis pas très très bien pour défendre tout seul.
suis pas fan de la défense seule avec cette SP là. Autant. En... Oh là là, les... Oh, les FPS! Oh les FPS! Oh Star Wars The Old Republic! Tu nous fais plaisir encore une fois là. Tu nous envoies du lourd là. Ok, très bien. Je peux plus bouger. J'adore. Oh putain, mais c'est quoi cette blague? Oh, mais je peux plus avancer! Ah, il est temps que ça se finisse, parce que je peux plus avancer. Je suis obligé de faire un... Je suis obligé de relancer le jeu. Ça, c'est encore un des petits trucs que j'adore. Je sais pas comment ça se fait, ça me fait ça de temps en temps. Je peux plus avancer. Alors, à part avec la souris, ce qui est pas très très pratique. Ah, ils ont tagué, putain. Non, non, c'est pas le Razer Synapse qui merde. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Là, c'est que j'ai... Non, non, là, il veut plus, là. Il veut plus. Ah, ça y est. Ah, ça y est, il reveut. J'avais un problème, je sais pas d'où il venait, mais j'avais un souci. Et des fois, mon clavier se passe en anglais, comme ça. Mon clavier n'est pas à Razer, d'ailleurs. Mon pauvre clavier Razer, il est mort d'une surdose de café. Il a pris le toc avec du café, mon clavier Razer. Malheureusement. Ah, la résistance. Ah, il a tout résisté. C'est bien joué. C'est moi qui étais un peu con de le burst dans le... Dans son mur. Enfin, dans sa roulade. Ah, il a résisté sur mon... Oh, le bâtard. Ah, le petit bâtard. Il a résisté sur mon stun. Il a pas dit pas là. Ça, les tireurs d'élite, ils aiment bien quand t'as un connard d'érudit qui vient pour les retirer, pour mettre un bump alors qu'ils ont pris le temps de mettre une zone. J'adore ça. Bon, alors là, je suis mort. Je vois pas ce que je peux faire. Je pouvais pas bouger. Oh non! Oh. Ah, il aurait pu me laisser le tuer quand même. T'es pas sympa, mon gars. T'es pas sympa. Si c'était ça, Wing, le clavier, pardon. Alors, quel DPS? Ouf! Ouf! Alors, lui, il a fait mal. Hein. Lui, il a fait bien mal. Allez, tu mérites. Tu mérites. Peut-être une spédote, hein. Parce que c'est vrai que là, ça fait quand même beaucoup de DPS à notre niveau. Bon, ça commence très bien. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pira pira pira. Toujours pas de quête. Sous les quêtas. 2 sur 4. Ah,
énorme, ça va se terminer. Parfait. 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 Tu penses plutôt pour une spé ingénierie pour le franc-tireur? Ouais, c'est possible, c'est possible. Après, c'est vrai que le, ouais, les deux peuvent faire très très mal, hein, mais l'aspect dot avec le... La contamination très très facile là, c'est vrai que t'as vite tendance à faire du DPS sans t'en rendre compte quoi. Mais l'aspect ingénierie, c'est vrai qu'elle peut être intéressante dans une manche comme ça, parce qu'avec son avec les petites zones qu'il met, il a deux zones le tireur d'élite en ingénierie ou franc tireur, hein, je sais plus comment ça s'appelle du côté République, deux zones qui font pas mal de dégâts et qui ralentissent les mecs à l'intérieur. Et donc du coup c'est vrai que ça peut vite, vite enchaîner le DPS dans les parties. C'est d'ailleurs l'aspect la plus intéressante je trouve à jouer du tireur d'élite. La plus complète. Et surtout celle qui peut pallier au plus de situations. Parce que c'est vrai que l'aspect virulence et l'aspect tir à distance, même si elles sont fortes toutes les deux, hein, je trouve qu'elles sont moins complètes que cette spé ingénierie. Spé ingénierie, je trouve qu'on peut facilement se battre contre des cas, qu'on peut facilement se battre à distance. On peut prendre de la zone, on peut prendre du mono-cible. Elle est quand même assez top, quoi. Alors, je suis désolé hein, pour les puristes de la République, mais je me rappelle pas comment elle s'appelle côté République, cette spé. Je vais regarder. S'il y a du pro PGM République franc-tireur, là, dites-moi comment elle s'appelle, la spé ingénierie. Celle qui met les sondes, là, les sondes, la frappe orbitale, tout ça, là. Sabotage, ouais, merci. C'est ça. C'est la seule spé que tu joues pas, tu la trouves trop situationnelle. Ah, je sais pas, moi tu vois, je trouve que justement c'était celle qui arrivait le mieux à être efficace dans beaucoup de situations, tu vois. J'ai pas mal joué tireur justement parce que j'aimais beaucoup l'aspect virulence. Et je trouve que c'est celle qui me paraît le plus... alors après, je te parle de 8 contre 8, d'accord, pas le 4 contre 4. Et en 8 contre 8, elle me paraissait quand même être la plus... voilà, la plus... plus variée. Voilà, plus variée. Bon, après, c'est pas aussi jouissif que la tir à distance quand tu balances des... quand tu balances des 25K dans la gueule des mecs, voire plus. Mais... Mais tu fais tout aussi mal. Ce qui est intéressant sur cette spé aussi, sabotage et ingénierie du tireur, c'est que c'est entre la dot et le DPS. Et en ça, je trouve que c'est assez fun à jouer aussi. Puis le petit ralentissement sur la sonde que tu mets, c'est infâme ça. Quand tu te le prends, ça dure super longtemps. C'est vraiment relou de la mort. Relou de la mort, les gars. Au moins relou de la mort. Bon alors après mon avant-garde, parce que là du coup ça va être terminé je pense mon érudit ce soir ou demain grand max. Et donc après l'avant-garde, par contre l'avant-garde je vais me faire le scénar, si vous n'y voyez pas d'inconvénient de la nouvelle extension là, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Moi aussi j'aimerais bien être déçu comme tout le monde. Parce que j'ai regardé un petit peu les les vidéos de d'autres qu'on fait l'extension, tout le monde était déçu et tout. Et putain les gars, tout le monde fait la gueule sur cette extension. Donc je sais pas trop, je vais voir. Tu fais ce que tu veux, mais ouais, mais bon. Si vous me dites non, nous on se fait chier, avoir du PvE, on veut que du PvP, bah je me ferai l'extension tout seul. C'est tout. Je veux bien faire ce que je veux, mais bon, quand je fais des lives, je les fais pas pour moi, sinon je joue tout seul, quoi, vous voyez. L'histoire est cool, mais il n'y a pas de contenu derrière. Bah, c'est très bien, parce que moi, c'est pour l'histoire que je vais le faire. Parce que le contenu PVE derrière, je m'en tamponne le cul par terre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste personnel. Après, vous, si vous aimez le PVE... Je suis désolé de voir s'il y a... Désolé pour vous s'il n'y a pas de contenu, mais moi, je m'en tape. Tu vas avoir le cul plat, fais gaffe. Ouais, ça va, t'inquiète. T'inquiète.
c'est Oddball, et en plus, je me dis, c'est pas le Oddball contrefait chinois de Kesh. Là, c'est le vrai Oddball, le vrai de vrai, le vrai des durs, quoi, vous voyez, dans le feu, tout ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, mais je joue pas avec mon Malfra. Et c'est dommage. Voilà. Parce que Oddball avec le Malfra, c'est quand même un peu cheaté. Un peu beaucoup cheaté, même, en fait. Mais on aime ça. On aim. Ah, on prend pas la balle du tout au début. C'est bon, ça. Ah, putain. Et... Oh là là. Ah, ça commence fort. Ah, ils sont déjà passés. Ah ouais. Putain, vous êtes chauds, les gars, là. Oh là là. Bon. Eh bien, là, quand ça commence comme ça, tu te dis... Ils sont organisés un peu, les gars. Ça va être un petit peu relou. Oh là, je peux pas faire ce duel. Non, je peux pas faire ce duel du tout. Parce que là, il a pas encore claqué son invulnérabilité, hein. Faut bien voir ça. Et que là, moi, je ne me soigne pas sur mon invulnérabilité. Ah, puis j'ai peut-être tué l'autre, du coup. Oh, un partout, très bien. Alors, autant les maraudeurs en spé équilibre. Bon, je dis pas qu'ils me font pas peur, parce qu'ils font très mal, hein. Je vais pas pousser la prétention jusque-là. Mais bon, c'est gérable. Autant là, avec cette spé, c'est juste impossible. C'est impossible. Je ne vois pas comment faire sans la barrière qui explose, là. Parce que j'ai pas le talent, je vous rappelle. Sans la barrière qui explose, sans le sustain sur mes barrières, je ne vois pas comment je peux gérer ce genre de combat sans mourir. Oh oui! L'aspect bar, c'est la moins adaptée pour les deux là, mais clairement, elle manque vraiment de contrôle. Elle manque de contrôle, elle manque de sustain, elle est pas faite pour ça. Hein. Franchement, elle est pas faite pour ça. Et là où un maraudeur, justement, lui, va avoir du contrôle correct, une petite invulnérabilité, tout ça, voilà, ça me paraît tendu d'arriver à faire un duel vraiment, vraiment bon là. Par contre, c'est pas très malin. C'est vraiment bon, aller chercher du kill pour du kill là. Parce que notre équipe est en train de galérer, voilà. Oh non, GG. Mais. Vas-y, passe. Si je m'en sors, c'est bien. Il est resté fufu? Non! C'est vrai? Ah ouais, putain, on a pas marqué, dis donc. Ah, c'est bien ça. Ah, encore des maraudeurs, ils me font chier, hein. I got the ball. Les gars, elle est où la balle? Putain, elle est où la balle? Ah, mais le TP, ça garde pas la balle. Ah, dommage. Je ne savais pas. Autant pour moi, je ne savais pas. Non.
Allez, venez m'aider là, les gars! Non! Non, mais je peux pas défendre tout seul là! Hé! Bande de moules! Ah, voilà, là c'est tché-tché pour moi quoi. Ouf, oh, il a pris sa dose lui aussi. Ah, puis il la joue tous en faisant des putains de sauts avec les maraudeurs là. Ah oh, voilà, bon bah tant pis là. Il y a pas assez de monde qui est sur le ballon là. C'est trop dur. Je crois que je l'ai eu là. Ouais, je l'ai eu. La petite dot a suffi sur le maraudeur là, c'est très bien. Allez! Ah vas-y, passe! Comment dire? Ah bah eux aussi. Ah bah ça va, ils sont bourrés comme nous. Les gars, allez, placez-vous là. Vas-y, place-toi. Vas-y. Vas-y. Putain, mais elle est où la balle? Elle est où la balle? Sans sérieux, elle est passée où, quoi? Non, mais elle a été reset, quoi. Non, mais c'est sérieux. Mais il y a de l'enculade dans l'air, là, les gars, quand même. J'ai passé sur la plateforme derrière moi, donc t'es sérieux? Comment c'est possible? Oh 4! Oh GG les gars! Envoyez-nous du rêve comme ça, c'est bien! Allez récupérer, vous êtes à côté là! Allez l'agent! Allez l'agent! Allez l'agent! Putain d'handicapé! Oh pardon je t'avais pas vu. Ah désolé là j'ai stressé. J'étais en stress. J'ai pas vu l'autre qui était placé là, je l'ai vu trop tard. Allez le tireur, t'es à côté de la balle mon gars. Putain mais t'es trop con, mais c'est pas possible. Ok, bon, ça va passer. Da-di-da-di-da-da. Ouf. Ah, il est mal placé celui-là, je peux pas aller chercher.
reste encore un petit peu de temps là. On peut pas jouer là, on peut pas jouer la montre, pas encore. On se recule un peu parce que là je prenais le tché-tché du sorcier là-haut là. Oh là là, oh là là, oh là là! Voilà, très bien. J'adore l'abstrait! Bon, bah les resets déjà, c'est pas mal. Oh non! Oh l'enfoiré! Il est en mode poteau le tireur, ouais, tu m'étonnes, c'est pas un poteau là, c'est une colonne grecque le mec! Oh, GG5. Je vais juste mettre mon... Voilà. C'est beau, ça! Allez, je need. Je want the ball! J'arrive, les gars! Ne vous faites pas tous jeter. Je suis là. Venez! Oh oui! Vas-y, les félim, mon gars! Oh! Et passe décisive, centre au premier poteau, niveau 64, échec et mat, jeu, set et match. Est-ce que tu joues ombre assassin? Oui, j'ai un assassin, donc ouais, côté empire. Mais je le montrerai après, je vais monter la république d'abord. Et je ferai les 5 derniers niveaux de mon assassin plus tard. Ba-di-da-di-da-da. Pas grand chelem, ouais, mais bon. On va se satisfaire de ce qu'on a. On avait 2 healers. Ouh, il a eu 5 votes. Toi, mon gars, tout le monde t'aime. Ah, tu es un petit peu le Mickey Mouse de notre BG. Tout le monde aime Mickey. Ton assa, c'est ton main en spé tromperie. Ah, saloperie d'assassin. Saleté d'assassin. Bon, je t'avoue que c'est pas la classe que je préfère, hein, mais... Par contre, ils me font bien rager quand je les ai en face. Autant c'est pas ma classe préférée, autant je trouve que c'est la classe la plus forte du jeu à l'heure actuelle. Ah, j'ai gagné. Très bien, allez, hop. Allez, double mission. Et c'est parti, tché-tché, mon gars. Voilà. Si vous voulez grouper avec moi, vous pouvez, hein, si vous avez des persos là. Vous m'envoyez un MP en jeu avec votre pseudo sur le live. Et si c'est le cas, je vous groupe. Allez, plus qu'un niveau, et c'est bon, avec mon érudit. Perso, c'est les sorciers que t'aimes le moins quand ils sont en face. Ouais, même si... Maintenant, je trouve quand même que là, avec le TP que vous avez en plus et tout, franchement, vous avez plus trop de soucis, les assassins, pour tuer les sorciers, quoi. Surtout qu'il y en a pas énormément qui jouent la spé dot. Et je trouve que quand ils jouent en spé éclair... Bon, alors après, comme je vous disais tout à l'heure... Si le gars en spé éclair ou en spé télékinésie vous laissez DPS derrière, alors forcément vous allez vous en prendre plein la rate. Hein. Mais si vous allez dessus, vous avez vu tout à l'heure le maraudeur, hein, j'ai strictement aucune chance. À part si le mec c'est un handicapé, j'ai strictement aucune chance d'y arriver. Et les mecs en spé folie ou alors en spé équilibre. Les assassins, ça vous fait un peu marrer, ça, je crois, quand même, non? Il me semble que ça vous fait rire. Voilà. J'ai cru comprendre que vous en aviez juste rien à cirer.
Donc en gros, c'est vraiment, je trouve, la classe sur laquelle tu devrais pas trop avoir de soucis normalement. À part si tu les laisses DPS. Dans ce cas-là, je comprends. On va dire que si toi, t'es un gars qui va toujours taper le heal et que tu te fais asmat par les sorciers éclairs derrière, ouais, forcément que ça peut faire un peu mal, quoi. Vous rigolez bien contre les spédotes. Ah bah, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Dans la mesure où vous pouvez lui casser... Dans la mesure où vous pouvez lui casser deux fois son cycle DPS tout en vous, n'ayant pas de contraintes de cycle à respecter pour ça, eh bien c'est free win. Free win. La seule chose qu'il peut faire à la limite, c'est de se barrer. Da-di-da-di-da-da. Il devrait mettre 3 manches gagnantes dans les arènes non classées. Mais t'étais sérieux, toi? Mais non, il devrait pas en mettre du tout, ouais. Un 4 contre 4 sans objectif avec des teams déséquilibrés, il devrait pas en mettre du tout. ou alors les mettre en choix. Voilà. Les mettre en choix et que seuls les gens qui aient vraiment envie d'y aller y aillent. Toi, tu t'amuses pas dans les arènes, toi, oui, ah, bah, peut-être. Mais je pense que le jeu est pas... Là, t'as beau t'amuser ou pas t'amuser, je trouve personnellement que le jeu n'est pas conçu pour avoir des arènes. Voilà. Parce que c'est un mode qui est uniquement basé sur le skill des joueurs et sur, même sans parler de skill, sur l'équilibre de la team et l'équilibre des stuffs. Et vu que le jeu n'a aucun matchmaking, tu ne peux pas avoir des parties qui soient intéressantes en 4 contre 4. Rarement. Voilà. Donc après, peut-être que vous vous amusez parce que le mode de jeu vous plaît. Mais je trouve qu'il devrait l'adapter, ce mode de jeu. Voilà. Le faire différent. Je ne dis pas de l'enlever, mais de le faire différemment. Voilà. Si c'est équilibré des deux côtés, c'est le meilleur mode de jeu. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire que si tu as une team équilibrée d'un côté, une team équilibrée de l'autre... Avec l'expertise d'un côté et l'expertise de l'autre. Ok, alors là, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur mode PVP qui puisse exister parce que c'est du PVP pur et dur qui n'est basé que sur la tactique et sur le skill. Mais dans l'optique où ce jeu ne te propose rien d'équilibré, que ce soit en termes de stuff, en termes de composition d'équipe ou en termes d'équilibrage de classe, je pense que ce n'est pas du tout adapté. Voilà. Il n'y a pas... Les classes sont trop déséquilibrées et il n'y en a pas assez. Voilà, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous avez un jeu où les classes sont déséquilibrées, vous pouvez toujours arriver à contrer la team d'en face en prenant une autre classe qui va contrer tel type de classe. Ici, les classes sont déséquilibrées et il n'y a pas assez de classes pour pouvoir contrer. C'est par exemple comme ça que les MOBA sont faits. Les MOBA, il n'y a rien d'équilibré dans un MOBA dans les persos sont pas équilibrés entre eux. Mais tu as tellement de variété de personnages que de toute façon, tu auras toujours un contre qui va t'emmerder. Et donc, c'est ce qui fait l'intérêt. Ici, c'est pour ça que je trouve que... Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que les arènes et le MMORPG sont compliqués à mettre ensemble. Parce qu'on n'arrivera jamais à avoir assez de variété pour pouvoir contrer totalement une classe. Et à part Guild Wars 2, pour l'instant... Il n'y a pas encore de MMO qui ont trouvé le moyen d'arriver à faire que ce soit tout correctement équilibré en termes de stuff et de chance au début de la partie. Alors en fait, est-ce que ça a bougé les skins d'apparence au marché galactique? Ben j'en sais rien. Mais voilà, c'est pas un problème de Star Wars The Old Republic. Bon, Star Wars The Republic, il a quand même un matchmaking qui est complètement à chier par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Alors ça, on peut pas lui enlever que là-dessus, ils ont fait vraiment de la merde. Mais c'est pas le problème de Star Wars The Old Republic, c'est le problème du MMORPG et du PVP en arène, je trouve.
je pense que voilà, ce sont vraiment deux mondes différents et qui sont très durs à coïncider pour arriver à faire de la compétition. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun MMORPG qui soit vraiment compétitif sur la scène e-sport. Voilà. Et quand je dis aucun, c'est aucun. Même s'il y a des jeux qui commencent à sortir comme Guild Wars 2, Blade & Soul, tout ça, je dis pas que ça n'existe pas. Il y a de l'e-sport sur les jeux, mais ça rivalisera pas et pas encore assez vis-à-vis du MOBA pour les raisons que j'évoque. C'est qu'il y a besoin d'avoir de l'équilibre, il y a besoin d'avoir de la variété et du choix, ce que les MMO sont incapables de nous donner à l'heure actuelle. Enfin, de nous donner correctement à l'heure actuelle. Rétro en team classé, les mecs partent tout le temps en team équilibré. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut pas donner vraiment beaucoup d'intérêt au jeu parce que du coup tu te retrouves toujours à jouer avec la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est un autre débat. Oh, ils sont deux en plus là. Oh putain, la résistance sur le... Oh putain, il a bien joué. Hello Cookie. Ouais, l'agent il m'a chopé à la dernière, des dernières secondes. Il a eu un timing pro là. Ah putain, je vais rien arriver à taguer sur cette game, c'est un enfer. Wow. Eh mais j'étais bien là. Je le tuais, je pense. Ah merci quand même. Il a voulu me sauver, hein. Je vais pas l'engueuler parce qu'il a voulu me sauver. Bali bali bala. Mais j'attends avec impatience hein, le MMO qui va vraiment arriver à nous sortir un PVP d'arène compétitif et intéressant. Oh oui. Voilà. Mais je pense qu'on n'y est pas encore parce que, comme je vous dis, je pense que la conception des MMO n'est pas faite pour ça. Alors autant je peux comprendre, autant je trouve que les MMO sont ultra ultra méga top adaptés au PVP en monde ouvert, parce que bah, c'est la veine du PVP finalement en monde ouvert en MMO. Mais autant pour l'arène, je pense vraiment que les MOBA ont de beaux jours devant eux quand même. Ou alors il faut qu'il nous sorte un MMO avec avec 50 classes quoi. Va l'interrompre. Ah. Ah putain. Vas-y, burst dans l'armure, c'est bien. Ok, il reste un agent. Putain. Ah, raté. Ce coup-ci raté, mon gars. Ah, il a voulu se la faire encore à la dernière milliseconde comme tout à l'heure.
Hey, merci pour le follow, Nbou. Nbou. Ils vont y arriver de l'autre côté. Ah, c'est possible, hein. Je vais les aider quand même. Bon, il reste 10 secondes là. Il y a un érudit qui retourne. Oh, on est en train de leur mettre une de ses savates. 14 secondes. Putain, j'ai pas mis mon TP. Oh, j'ai pas mis mon TP. Ah, je vais me faire baiser là. Peut-être pas. Oh GG, oh GG. Ok, allez. Un petit tag. Oh, 540-0. Où ça picote? Où ça picote? Alors attention, parce qu'il y a toujours des agents qui viennent nous contester depuis tout à l'heure. Babadibada. Oh, pop, pop. Ah, j'ai toujours pas eu... Ah, mon TP. Non, mais c'est une blague là. J'arrive pas ce soir à mettre mon TP là. Oh, je suis bien heal aussi hein, là. Ah, je vais aller le mettre. Pas me sauver la vie. Ah, enfoiré. Dommage. Dommage. Ah bah celle-là, elle aura pas duré, hein. Pour l'instant, full victoire ce soir, hein. Ça fait plaisir, hein, les gars. Alors j'en suis où? Ah ouais, ça monte bien hein, l'XP là. Ça monte bien de chez bien même. Pfiou.
Puis je suis content de savoir que quand je vais terminer mes persos full classés, machin, je vais devoir monter 5 niveaux de plus et refaire mon stuff. Star Wars. Ça me casse les couilles par contre. Franchement, ça me casse les burnas. Voilà. Ça n'a jamais terminé, quoi. Salut Crow. Hello Crow. Pas avant novembre 2016. Ah bah très bien. Très bien. Bah moi ça va très bien et toi donc? Et toi donc? Ça va, en plus je fais que gagner là. Je fais que gagner, c'est de la boucherie. Première heure full victoire, ça veut dire deuxième heure full défaite ça, en général. Quoique là on a un petit hotball et en plus c'est pas le hotball contrefait, alors je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Tu rentres du taf et tu vas faire le coréen sur Albion. Vas-y. Vas-y. Surtout que vu qu'on a tout perdu hier. Allez, il faut se refaire, quoi. Il faut se retaper. Hier soir, pour ceux qui n'ont pas suivi Albion Online, on s'est fait voler notre stuff dans une instance par des joueurs. C'était très bien. C'était génial. C'était un bon moment, un pur moment de plaisir et de bonheur. Cookie, tu fermes Albion. Sachez que vous pouvez postuler dans notre guild hein, si vous voulez. Hein. Il vous suffit d'aller dans le menu du jeu. Dans le menu de guild, vous avez tout en bas description. Vous pouvez faire une recherche de guild. Et vous pouvez trouver la guild NV Gamer. Et vous pouvez postuler directement à l'intérieur. Est-ce qu'on garde la balle quand on utilise la phase? Non, ça ne marche pas. J'ai essayé tout à l'heure. Ça ne marche pas. C'est vrai que ça aurait été un peu pété quand même, ça. Ça aurait été un peu pété parce que du coup, tu vas marquer un but, t'attends, tu poses ton TP, tu reviens, tu vas rechercher la balle, tu y retournes. Ce serait... En gros, tu seras un agent secret ou un malfrat, quoi. Oh! Oh non! Non, 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 non! Oh là là! J'ai fait de la merde! Ah, healer, les gars! Ah, double healer! Putain, ça m'a pas manqué, ça avait parti avec 50 healers. Oh yeah! Mais est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose? J'arrive les gars! Des fufus! Oh GG! Ah mais c'est un healer aussi, je suis là! Putain, 3 healers quoi, la blague! J'ai plus de marqueurs, j'ai plus assez de marqueurs pour les healers. Oh là là! Ouf! Ah, j'ai but. Ici Darkmare du Conseil Noir. Tu vas prendre. Ah, les 10 FPS. C'est bon.
Ah là là, ah là, j'ai fait de la merde dans mon cycle. C'est vrai que là t'as tellement de burst que des fois même sans ce qu'il y a avec cette spé ça passe quoi. Oh le puck! Oh le puck qui vient de se prendre lui. Bon t'as arrêté d'être con là. Le healer est juste à côté là, il faut gagner les gars là. Voilà, comme ça qu'il faut faire. Comme ça. Faut leur en mettre. Alors lui aussi il a pris une savate là. Allez, sur le ravageur là. S'il a pas de heal dessus, ça devrait suffire. Mais il y a un heal qui est là. Ça va suffire, allez, ça va suffire. Oh oui! Oh oui! Oh! 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 Bon, mon TP, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait de la merde là quand même. Ah non! Ah non! Franchement, il devrait y en avoir plus des heals encore. Franchement. Hein. Franchement, là, c'est pas assez, quoi. C'est pas assez, les gars. Là. Alors là, je meurs. Je quitte ma phase et je meurs. Ah, peut-être pas. Les gars, j'ai besoin de heal. Eh merde. Et ouais, la grosse différence avec l'équilibre, c'est que quand tu quittes ta bulle avec l'aspect équilibre, bah t'as un gros heal qui pop. Mais alors là, enfin, quand je prends moi l'aspect équilibre, parce que c'est vrai que tout le monde prend pas les mêmes perks que les miennes. Et là, c'est chaud patate, hein. Chaud patate, hein. Voilà. Voilà. Être sûr. Allez, le petit sorcier là. Ah, bien joué. C'est pas juste où il faut. Ah, ça stun fort. En plus, il y a l'autre qui est sur lui là. Voilà. 4-0, parfait. Ah, j'aurais pas dû prendre mon speed, j'étais con. Ah, surtout pour faire ça. Oh, surtout pour faire ça. Oh là là, l'action de génie là. Ah, l'action de génie, c'est ça, ça vous donne pas envie de jouer un érudit. Un érudit télékinésie, je sais pas ce qu'il vous faut là. Quel skill. Oh, alors là, ils ont deux heals sur la gueule, ça sert à rien, les gars. Là, ça ne sert à rien.
Ouf. Oh, ça va être dur là. Ah, quoique. Attention au mec là-haut là, les gars. Ah, GG ça. Oh, GG. Il a raté sa passe. Enfin, GG, non, il a raté sa passe plutôt. Plutôt qu'un GG pour nous là. Mais bon, je prends. Hein. Ah, il est... j'arrivais pas à le cibler celui-là. J'ai grillé mes deux mes deux buffs pour rien, c'est très bien. Allez, laissez-le tranquille. Ok. Tu sais, Rétro, tu peux bump des gens qui sont sur une plateforme supérieure. Ah non, je ne savais pas. Mais c'est nouveau ça ou quoi là? Ah là, il y a un autre healer en haut là. C'est tendu là. Tendu. Oh bah alors là. Les mecs. Ok. Il vient me chercher, vous croyez ou quoi? Non. Ah si. L'enfoiré. Aïe. Tout pour le kill, les gars, quoi. Tout pour le kill. Ah ouais, l'agent, il est vénère, là. L'agent, il était vénère. On n'avait pas de healer. On va voter à l'objectif, alors. Allez, hop là. Tac. Surtout que là, ça avait strictement aucun intérêt de venir me chercher. Hey Nobu, merci pour ton sub. Putain, je viens de voir. Mais en fait, les alertes sub ne fonctionnent pas en ce moment là. C'est un truc de ouf là. Ça fait plusieurs fois que je vois qu'il y a des subs et que ça s'affiche pas là. Et ouais, pourtant. Attendez, faut que je regarde si ça fonctionne ce truc là. Alors, on va vérifier. Vous me laissez juste le temps de vérifier parce que c'est vrai que c'est pas cool. J'aimerais bien que les trucs apparaissent quand on leur demande. Bordel. On va voir. Il se peut qu'il y ait un problème aussi. Alors, tac. On va recopier ça tranquillement.
Hop là. Bon, ça a l'air d'être bon. Bon, logiquement, les alertes devraient fonctionner. Merci en tout cas, Nobu. Hein. J'apprécie énormément. Et oui, pour l'instant, les votes... En même temps, les votes sont à... Oui, alors là, oui. Là, il y a un... Albion est à 90% en tête. Tu fais pas ça pour que ton pseudo s'affiche. Ouais, non, je dis pas, c'est vrai. Non, mais c'est que ça me permet aussi, moi, de vous entendre, les subs. Parce que, voilà, c'est quand même plus agréable. C'est quand même plus agréable quand je peux vous... les voir ça en live. Mais il y a aussi... Ah non, bah là, c'était un follow, je n'ai rien dit. Voilà. Tu vas voir du Albion. Bah, en ce moment, c'est vrai que l'Albion fonctionne bien, donc... Si je pouvais modifier le 36 sub au goal en 38, bon, on va vérifier. Normalement, ça se fait tout seul, mais vu que j'ai un problème, on va voir combien il y en a pour de vrai. En ce moment, il y en a 41 en plus. On va voir si je peux modifier ça en direct. C'est possible, parce que... Alors, Darkmare du Conseil Noir. Je sais pas si ça a changé quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça a juste rien changé du tout. On est quoi là? On est quel jour? Mercredi 2. Bye. Ça a l'air un peu foqué quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. T'as commencé tout à l'heure sur Albion. Ah, et bah tant mieux. Eh bien, rejoignez-nous dans la guilde aussi d'ailleurs. Hein. Si un reboot, ça va te faire chier. Ouais, enfin bon... Faut jouer pour le plaisir, et puis tu te dis que quand tu auras un reboot, eh ben, tu feras les choses mais en mieux, quoi. Voilà. Tu vois, on a eu un reboot sur Arcage, c'était chiant, et finalement, ben, ça nous a permis de faire plein de choses qu'on n'avait pas faites avant, et de les faire mieux, surtout. Donc voilà, c'était pas que du négatif d'avoir un reboot. Ça remet tout le monde sur le même pied d'égalité, et voilà. Ça commence mal. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Non! Ah bah je suis mort là. Oh! Oh, j'y arrive pas sur cette game. Oh là là! Pff. Oh, j'y arrive pas là. Dark Blood Job, quoi, on est sérieux.
Bon, alors là, avec les tireurs sur la gueule, ça va être la merdasse. Ouh, là je peux pas faire de duel là, Ah, elle va me faire violer là. Elle va me faire violer la tête. Oh là là. Du monde partout là. Allez, ah le contrôle, ah le contrôle. Ah oh, un don, merci mon cher Dira. Bon, c'est hard. C'est hard mode. Hard mode, les amis. Bon, alors mon alerte fonctionne. Maintenant, est-ce que l'alerte sub fonctionne? Je ne sais pas. On verra ça après. J'essaierai de faire un test. Ah putain! Ah, je fais une mauvaise game là. Je le sens, je suis pas bien là. Je fais une mauvaise game et lui, je l'ai quand même mis plein sa mère. Hein. Je l'ai rempli sa mère, hein. C'était dégueulasse. Ah, le burst dans la résistance. J'adore. Faut que je continue à faire des choses bien comme ça, c'est ça qui me rend jouasse. Ah, j'ai des tireurs sur la gueule. Électrofilet. Électrofilet, j'aime. Électrofilet, j'adore. Ah, fais pas chier, toi. Ouf. On se cache un peu. Mais je n'arrive même plus à lancer mes sorts correctement là. Ah mais c'est bien là. En fait c'est qu'il y a à peu près que des assassins et des ravageurs dans ce putain de DG là. Donc voilà la. Ah putain. Ouh la dose. Voilà. Allez, on retourne là-bas, il reste 50 secondes, faut pas qu'on craque. Ah.
T'es chier de merde. Bon, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Concrètement, ça aurait pu être bien pire. Alors, est-ce que ça a marché? 44. Allez, attends. Il y a de la merdasse. Il faut que je vérifie. Que je vous mette le vrai bon goal par rapport à la réalité, quoi. Oh putain! Attends Dogma, parce que ça se trouve c'est pas vrai là. C'est pas vrai. Il faut que je vérifie là. Pas résister encore un peu plus, toi, putain, sérieux. En tag, oh la vache, très bien ça. Ah oui, c'est lui qui résistait bien tout à l'heure là. Ah, la réflexion, j'aime. Passera pas, ouais. Il y avait un assassin là, on l'a vu passer tout à l'heure. Voilà. Où je meurs. Je meurs pas. Ça va. Et ça ouvre en plus, parfait. Ah, c'est gagné. Alors, voyons voir si j'ai pas fait de la merde. 42. Alors, pourquoi, bordel, ça m'a... Pourquoi ça m'a fait de la merde? Bon, attendez. Vérification. Ah, mais je sais pourquoi. Y'a compris. Et ça m'affiche 44. Ah, très bien. Très bien. Si on fait comme ça, genre. Alors, logiquement, ça devrait être bon. On va essayer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas été. Il y en a qui n'avaient pas été comptabilisés tout à l'heure. Enfin, les dernières fois. Et c'est pour ça que ça a merdé.
Pourquoi tu m'affiches 44? Il n'y en a pas 44. Hein? T'as compris? T'as compris? Je vais retailler les gars, vous inquiétez pas. Je vais refaire un petit dernier là. J'essaie juste de refaire fonctionner cette merdasse. 43. 43. On s'approche. Alors, on va faire comme ça. Je me rapproche les gars. Toujours, très bien. Et là, ça va être la bonne. Là, je sens que ça va être la bonne. 42. Ah. Très bien. Très bien. Bon, très bien, parfait. Alors, je vais garder la page ouverte hein, au cas où, parce que heureusement que ça va continuer à me faire chier. Très bien, on va faire ça comme ça. Allez, un petit dernier. Bye Volva. Ah mais il y en avait un autre? Non, c'est une blague. 42. Bon. Ça reste 42 là. Ouais mais si ça prend pas 42. Donc là, il y en a 42. Là, ça peut pas tricher, ça, c'est les stats hitbox, ce que vous voyez affiché dans le chat, là. On n'a pas vu l'alerte ? Ouais, bah ouais. Je vais essayer de régler ça tout à l'heure, là, pendant la pause. Pourquoi il y a plus de followers que de goal followers? Parce qu'il y a peut-être eu le même problème en fait. Faut que je vérifie. On est à combien là? 586. Et 591. Parce que j'imagine qu'il y a des mecs de Guild Wars 2 qui ont des subs. Parce que vu que je fais moins de Guild Wars 2, il y en a plein qui se sont pas intéressés aux autres jeux. Et qui se sont barrés. Et donc voilà. C'est pour ça. Je vais remettre ça à jour tout à l'heure là. Je vais remettre ça à jour. Mais logiquement, ça devrait prendre en compte les gens qui se barrent. C'est ça que je comprends pas là. Après, il est possible aussi que le site qui fait ça ait des problèmes. Hein. Ça peut arriver. Ah mais j'ai perdu, j'ai perdu au moins 100 abonnés sans problème sur YouTube à cause de ça. Hein. Oh là là, oh là là. Ah j'en prends plein la gueule. Et ouais, là, s'il me laisse pas DPS, je peux rien faire avec cette SP. Hein. C'est son gros problème. Waouh! 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 Non, c'est bon. C'est son gros problème. Si les mecs ne vous laissent pas faire, vous ne pouvez plus jouer du tout.
Tu en regagnes sur Star Wars, pas autant que sur Guild Wars 2. Ouais, je sais pas, les vidéos... Ouais, si, les vidéos Star Wars ont quand même... ça a quand même du succès. Mais bon, voilà, franchement, il y a un moment donné où... faut pas se foutre de la gueule du monde. Guild Wars 2, ça devient ridicule, le PvP, quoi. Quand j'ai arrêté Star Wars, je continue de me suivre. Non. Pour Star Wars, c'est pareil, faut pas rêver. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont restés parmi les fidèles. Mais les gens, il y en a plein qui se sont réabonnés à Star Wars. D'ailleurs, il y en a plein qui sont revenus sur les lives que grâce à Star Wars. Je juge pas ça. Hein. Chacun regarde ce qu'il veut. Hein. Je suis pas là pour vous dire ce qui est mieux à regarder ou pas. Hein. Vous venez regarder surtout ce que vous aimez. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est désagréable ce BG là. Mais de toute façon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Vous avez... Ça tourne. Oh. Oh, un duel contre l'agent là. Oh là là. Faut venir m'aider les gars, c'est pas gérable là, je peux pas le faire ce duel là. Ah, on est dominé. Ah, à deux par contre. À deux, je dis pas. Ah mais c'est la foire au fufu cette game. Healer derrière là. Oui. Ouais putain. Ouais, je dois être ciblé de la mort là parce que je ne peux rien faire sur cette game. Déjà que tu te prends un seul gars quand tu joues l'SP éclair, t'es déjà mal. Alors là, quand t'es focus par la team, c'est même pas la peine d'essayer quoi. Agent, Assa, ouais, ils prennent des classes qui marchent bien en DPS, c'est clair, mais ils ont raison. Hein. Ce serait dommage de pas le faire. Il est ou quoi lui? Ah, sans doute hein. Oh putain, c'est trop chiant, mais c'est trop chiant. Cette classe quoi. Ah, la résistance. Thank you.
Encore, putain. Ah, on est les XT, très bien. Bye Cookie à toutes. Salut Doobzy. Hello Doobzy. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui n'ont pas de compte sur Hitbox là, qui regardent le live là. Pensez à en faire un, hein, ça vous coûte rien, ça prend 5 minutes. Même pas 5 minutes. Et ça vous permet de venir discuter avec nous, de follow la page, tout ça. Et surtout si vous êtes des habitués de Twitch, vous verrez que Hitbox ça fait pas mal, hein. Ça fait pas mal à la santé, hein. Au contraire. Allez, l'agent là. Ah, bien joué. C'est bien joué. Quand même dur à buter, hein. On est sur le healer. Allez. Il a crevé celui-là là. Ah ça y est, le healer qui est de nouveau. Oh putain. Cette blague. Le healer qui revient sur lui quoi. Sans déconner. Allez crever. Allez crever. Il recap. Ah j'ai plus mon TP. Ah mais on a perdu chez nous, putain, je viens de le voir là. Bon, alors là. Résistance. Mmh, j'adore. Allez, cap, les gars. Allez, sur le healer.
d'argent. Et on peut la gagner celle-là, c'était mal parti, mais là on peut la gagner. Ouh le mid, ouh le mid. Ah, ils sont plus que deux à défendre, j'ai peur que ça passe pas là. Et peut-être on arrive. À l'intérieur. Ah, ça va passer. Allez, le heal qui tombe, parfait. Lui m'en veut là. Et voilà! Cool! Coolos! Alors, est-ce qu'on avait du huile? Oh, il me semblait pas. Il me semblait pas qu'il y en avait, effectivement. Objectif alors. Parfait. Encore une game et 65. Ouais, mais ce sera pas pour celle-là. Ce sera pas pour ce soir. Je la ferai en dehors des lives, ne vous inquiétez pas. Bon, les amis, il est l'heure. Une petite pause de 10 minutes et je reviens tout de suite pour de nouvelles aventures de PVP. Restez si vous ne connaissez pas Smite et que vous aimez le PVP, vous risquez d'accrocher. Voilà. Et n'oubliez pas de voter les subs pour le jeu à 22h. Voilà, faites-vous plaisir, allez rechercher du café, un petit peu à manger, tout ça, on est bien, à tout à l'heure.